Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On fera une vidéo collection partie 9 de ma collection de CD. On enchaîne avec les Cyniques. Cynique, la plume de et le poignard que j'ai trouvé ça à Carrefour. Voilà, là il y a 18 pistes, je l'ai écouté. Très bon chanteur. Rien à dire. Un CD que j'ai trouvé dans un à Carrefour. Il y a 16 pistes plus le DVD, 3 clips, etc. Cynique, la main sur le cœur. Je l'ai écouté. Attendez, bon, mais je vais allumer un peu la lumière parce que je trouve que c'est sombre. Voilà. Voilà. Il y a 16 pistes, je l'ai écouté. Alors, on voit mieux. Voilà, le CD. Attendez. Et le DVD. Voilà. Un CD que j'ai trouvé dans une brocante, c'est Cynique, le toit du monde. Il y a même le DVD. Il y a 14 pistes, pareil, je l'ai écouté. Très bon chanteur. Voilà le CD et le DVD. Ça, c'est un CD que ma mère m'a offert. C'est Cynique sans froid. Il y a 17 pistes. C'est un chanteur que j'aime énormément. Voilà. Un CD que j'ai trouvé à Carrefour. À Carrefour ou à Leclerc, je sais plus. C'est Cynique Invincible. Voilà. Là, il y a je sais pas combien de pistes. Pareil, je l'ai écouté. Très bon chanteur. Le CD que j'ai trouvé à Carrefour, Immortel 2, il faut que je me procure les autres. Il y a 14 pistes. Pareil, c'est un chanteur que j'adore. Voilà. Il faudrait que je continue ma collection. Là, on enchaîne avec les refs. Ah, apparemment, là, j'en ai que deux pour l'instant. C'est Ruff, le code de l'horreur, que j'ai trouvé ça à Carrefour. Il y a 17 pistes, pareil, très bel album. Voilà, je l'ai écouté. Ruff, au cœur de mes limites, pareil, Carrefour. Il y a deux CD, il y a 16 pistes sur le premier et 15 sur le deuxième. Voilà, je vous montre le premier et le deuxième. Pareil, c'est un chanteur que j'adore. Un CD que j'ai trouvé à neuf, que je l'ai écouté il y a la semaine dernière. C'est Lexing Nicel Penmel. Il y a 17 pistes, je l'ai écouté. J'aime plutôt pas mal. Franchement, ça change. Voilà. Un CD que j'ai pas encore écouté, que je trouve à nous, c'est Everything Works Merch. Je vous montre. Il y a 10 pistes. Voilà. Pareil, j'ai toujours pas écouté. Mon CD, c'est Olé Olé. Il y a 11 pistes, 10 pistes. Je l'ai écouté, pareil, excellent album. Voilà. Génialissime. On enchaîne avec un CD que j'ai écouté, pareil. C'est Elephant Man Legend Musical. Il y a 13 pistes, pareil. Très bel album. Voilà, rien à dire. Et bien en plus, on continue. Un CD de Jess Glenn. Il faut que je me le rechoppe. Que je me chope les autres parce qu'elle est pas mal. Il y a 12 pistes. Attendez. Franchement, je l'adore. Voilà. Excellent. Ici.
Krakata Quad Chorus, c'est une musique africaine. Il y a 10 pistes. Franchement, j'adore. Je l'ai écouté. Il est pas mal. Voilà. Un CD que j'ai trouvé à Noz. C'est Anateng Land Wishwaker. Il y a 9 pistes. Pareil, je ne l'ai pas écouté encore. Voilà. Ah. Un CD, c'est Yawaropo Tommy Walker. Il y a 10 pistes pareilles que j'ai toujours pas écoutées. Bon, ben, ce serait bien que je me fasse fan de. Il y a 12 pistes. Je l'ai toujours pas écouté, donc eh ben, je peux pas vous le dire. Un CD que je trouvais à nous encore, c'est. Je vous montre. Il y a 8 pistes. Voilà. Mais je passe si c'est du hard rock ou pas. Donc voilà. Un CD que j'ai écouté, c'est Charlie Common Over in Aku. Il y a 10 pistes, ça va. Il avait un chanteur qui est plutôt pas mal. Voilà. Un CD que j'ai trouvé à nous, c'est Love on Holding Twist. Voilà. Il y a 10 pistes. Ça va, non, je ne l'ai même pas encore écouté. Un CD que je trouvais à nous, c'est Taxi. Je l'ai écouté. Franchement, c'est vraiment pas mal comme musique. Voilà. Un CD, c'est Laura Vulma. Vula. Je sais pas combien de pistes. Je l'ai écouté, elle allait pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Puis en plus, le CD est violet. Un CD que j'ai acheté sur Vinted, c'est Jean-Louis Aubert H. Il y a 12 pistes, je l'ai écouté, franchement il est pas mal. Très bon, franchement j'adore. Jean-Louis Aubert, comme on a dit, il y a 17 pistes. J'ai acheté ça sur Vinted. Très bon titre. Une BO. C'est le cinquième élément que je cherchais en plus. Il y a 26 pistes. Je l'ai écouté. Que j'ai commencé à l'écouter. Ça va, c'est pas mal. Voilà. Un CD que je trouvais à nous, c'est Schönberg Expander. Voilà, apparemment il marque pas les titres. Donc, hop. Je l'ai écouté, mais franchement, c'est pas mal. Un CD que je trouvais à nous, c'est Arthur Adam Awak. Il y a 13 pistes, pareil, hein, je l'ai toujours pas écouté. Voilà. Un coffret que je suis très contente d'avoir. À chaque fois je le vois à Carrefour, ben, chaque fois j'hésite, sauf que là, ben voilà. Alors, The Weeknd, The Highlight, je l'ai écouté ben, quand je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée de mes achats, voilà. Très bel album. Et le second, voilà. Très bel album aussi. Voilà, je suis très contente de l'avoir. Franchement, j'ai une excellente ici. Un CD de rock, enfin bref, c'est Bon Jovi. Il y a 13 pistes. J'ai écouté, franchement, ce CD, il déchire. Oh, j'adore, je kiffe. Voilà. Un CD de japonais que j'ai trouvé. Ça, c'était sur Vinted. Que j'ai trouvé sur Vinted. Avancing Buster Girls, que j'ai écouté, il y a 11 pistes, j'adore. J'ai la. Génial, franchement, voilà. Un CD d'Hard Rock, Mouat Loak, que j'ai toujours pas écouté, je sais pas combien de pistes. Voilà. Excellent. Voilà. Bon, un CD de Johnny Hallyday, Rock'n'Roll Éternel Idol, son titre. Voilà, que j'ai trouvé ça à Carrefour. Il y a 20 pistes sur chaque CD. Voilà, je vais vous montrer. Ça se présente comme ça.
Hop. Voilà le premier, le 2, le 3, le 4 et le 5. Voilà. SM c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Un CD qu'on m'a donné de Johnny Hallyday. Voilà, je vous montre l'intérieur. Johnny Hallyday, Loire un tour. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, le CD. Et le second. Voilà. Je n'ai toujours pas écouté. Eh ben ça, c'est dans une boîte en forme de briquet. Hein. C'est pas vrai. Voilà. Le CD de I Am, que j'ai trouvé à Picash. Apparemment, il y a 16 pistes sur le premier et 20 sur le 2. Voilà, que j'ai écouté. C'est un rappeur que j'aime beaucoup. Voilà. Le deuxième. Le coffret que j'ai trouvé à Leclerc l'année dernière. Voilà. Je les ai écoutés, hein, j'ai même pas traîné. I am revoir un printemps. Là, il y a 18 pistes. Voilà. Je l'ai écouté pas mal. I am l'école du micro d'argent. Là, il y a 16 pistes. Excellentissime. Voilà. Très bon chanteur. Moi, j'aime énormément. Voilà. Ça, je l'ai trouvé à Leclerc. Et bien, ces petits coffrets, 10 euros, moi, j'aime bien. Toujours un coffret d'IAM que j'ai trouvé à Carrefour. IAM Art Martien. Il y a 17 pistes, je l'ai écouté, excellentissime, voilà, c'est mon rappeur chouchou, et Yam Révolution, il y a 19 pistes, voilà, très bon rappeur. Mon bébé, il faut que je me procure les autres, voilà. On enchaîne avec les lacrymes. On a pas un que j'ai acheté à Leclerc. Lacrymes Repro 3. Je pense que j'ai acheté soit à Carrefour ou à Leclerc. Il y a 18 pistes. Très bon chanteur que j'aime beaucoup. Voilà. Lacrymes Repro, le premier, volume 1. Il y a 14 pistes. Je l'ai écouté, franchement. Et celui-là, ah non, je les ai achetés à Carrefour. Excellentissime. La crème Force et Honneur, que j'ai trouvé ça à Carrefour. Il y a 20 pistes. J'adore, je l'ai écouté. Excellentissime. La crème Repro 3, que j'ai trouvé à Carrefour. 14 pistes. Excellentissime. Et voilà, bon, ben du coup, c'est que ça me fait tous les Repro. Mon tout premier lacrime, Corleone, il y a 15 pistes, ça je l'ai trouvé, j'ai acheté à Carrefour. Voilà, je l'ai écouté comme d'hab, excellentissime. Maintenant on enchaîne avec les Lafouine. Alors Lafouine présente CD C4 que j'ai acheté à à Géant avec 19 pistes. Franchement, c'est un chanteur que j'aime énormément. Ben voilà. Un CD que j'ai trouvé dans une brocante, c'est Lafouine de Parcours. Il y a 18 pistes. Je l'ai écouté. Franchement, génialissime. Voilà, très bel album. Lafouine Nouveau Monde que j'ai trouvé à Carrefour.
Il y a 15 pistes. Génialissime. Voilà. Ah, le CD que j'ai trouvé à Picache, c'est La Fouine aller-retour. Il y a 16 pistes. Comme d'hab, hein, je l'ai écouté. Génialissime. Voilà. On en a fini pour l'instant avec un CD drop. Un CD que j'ai trouvé à la petite boutique. C'est The Very Best of the Evil Everly Brothers. Il y a 2 CD, il y a 20 pistes sur chaque CD, donc je ne peux pas vous en dire, je ne l'ai pas écouté. Voilà, le premier CD. Et le CD 2. Voilà. Un CD que j'ai trouvé à la petite boutique, c'est Adrienne Poli. Il y a 11 pistes. Bah, je sais pas, je ne l'ai pas écouté. Voilà. Je vous montre. Voilà. Un CD pareil que j'ai trouvé à la petite boutique, c'est Amine, c'est Au-delà des rêves. Il y a 13 pistes. Bah, mais je ne l'ai pas encore écouté. Donc, bah, je ne peux pas vous en dire. Ah. Un CD drop, c'est Blacktop. Je sais pas combien de pistes. Je l'ai écouté la semaine dernière. Franchement, j'adore. Voilà. Excellentissime. The Black Eyed Peas, The Booming. C'est un peu comme... c'est une musique électro. Comme, un peu comme... c'est comme Daft Punk. Pour ceux qui aiment ce genre de musique, ben voilà. Il y a 12 pistes. Je sais pas, mais je ne l'ai pas encore écouté. Que j'ai trouvé ça à la petite boutique. Un CD que j'ai trouvé à Carrefour. C'est Nirvana Nevermind. Donc, il y a 12 pistes. Voilà, je l'ai écouté. Très bon hard rock. Excellentissime. Donc, voilà. On enchaîne avec un CD que j'ai acheté à la petite boutique. C'est Les Info. Que je connais, mais que je n'ai pas encore écouté l'album. Il y a 16 pistes. Voilà. Voilà. Puis en plus, les t-shirts sont trop stylés. Un CD que je trouvais à la petite boutique, c'est Stackworks. Voilà. Et en piste, je l'ai commencé à l'écouter. Génialissime. Voilà. Rock voisine Hélène. C'est mon chanteur préféré. Il y a 10 pistes. Pareil, je ne l'ai pas écouté. Donc, ben, je peux pas vous en dire plus. Là, parce que j'ai trouvé ça à Carrefour à l'instant. Il y a 21 pistes. Voilà, mon rappeur chouchou aussi. Mais il faut que je me procure les autres. Voilà. Johnny Hallyday 100% que j'ai acheté à Leclerc. Il y a 13 pistes. Ah ben, ils avaient testé dans les offres de CD pour 20 euros. Ben, du coup, ben, j'en ai profité. Johnny Hallyday que j'ai trouvé à Carrefour. Johnny Hallyday Story Palais des Sports. Il y a 13 pistes sur le premier et 2 sur le... Sur le... 2 pistes... 2 à 15 pistes sur le CD2. Voilà. En plus, j'adore. Attendez. Non. Le premier CD et le deuxième. Johnny Hallyday que j'ai acheté à Géant. C'est Johnny Hallyday Lorada. Il y a 13 pistes. Voilà, j'adore. Un CD que mon ex m'a offert à Carrefour. C'est Johnny Hallyday de l'amour. Il y a 10 pistes. Voilà. Que j'aime énormément. Que j'ai écouté, bien sûr. On enchaîne la vidéo avec du Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, Laura d'Atour. Même si je l'ai sur celui-là. Ben, quand je l'ai vu
à la petite boutique, ben, je me suis dit tant pis, parce que ben, ça, moi, mais je vais le garder parce que ça fait une belle pièce pour ma collection. Alors, du coup, ben, il y a 17 pistes sur le premier et 11 pistes sur le deuxième. Voilà. Le CD 1 et le CD 2. Johnny Hallyday, Pur des Parc des Princes 2003, c'est un CD que ma mère m'a pris, qu'elle m'a offert, un géant. 16 pistes sur le premier et 11 pistes sur le deuxième. Ouais, parce que ben, je voulais me l'acheter, ben, ma mère m'a dit, ben non, je te l'offre, mon bébé. Voilà. Je l'ai écouté, voilà, comme d'habitude. Hein, voilà. Le premier et le deuxième. Voilà. Un CD que j'ai trouvé à petite boutique, c'est Johnny Allumer le feu. Il y a 15 pistes sur le premier et 13 sur le 2. Je l'ai écouté. Voilà. Il y en a qu'un que j'ai pas écouté encore. Voilà. Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour, que j'ai acheté à Leclerc. Il y a 11 pistes. Voilà. Mais que j'ai été obligée de le réserver parce que ben avait vu qu'il a fait fureur. Alors, mais du coup, ben, il fallait que je le réserve pour l'avoir. Voilà. Un CD que je trouvais à petite boutique, c'est Johnny Hallyday, volume 1. Il y a 16 pistes. Génial, excellentissime. Voilà. Le coffret de Johnny Hallyday que j'ai trouvé à Carrefour. Johnny Hallyday, la tante. 11 pistes, j'adore. Voilà. C'est pas compliqué, j'aime Johnny Hallyday. Hein. Et Johnny Hallyday en stage. Il y a 15 pistes sur chaque CD. Voilà. Le premier et le deuxième. Et on clôture la vidéo avec le dernier de Johnny. C'est Johnny Hallyday, les raretés Warner que j'ai acheté à Carrefour. Il y a 18 pistes sur chaque CD. Voilà. Le premier. Et le deuxième. Et ça, moi, je ne l'ai même pas encore écouté. Bon, ben voilà, c'est tout pour ma collection partie 9 de CD. On se retrouve pour la partie 10 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, hein, mettez un commentaire, etc. Allez hop, ciao, ciao!